Nous sommes le 21 avril 2016, il est 18h tout pile, et comme chaque jeudi soir sur Zéronet TV de 18h à 18h30, place au débrief de l'actualité high-tech de la semaine, c'est 01 Live Hebdo et on est ravis de vous retrouver les amis, bonsoir à tous. Bonsoir François, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, nous allons revenir sur un événement qui s'est déroulé il y a déjà quelques jours, mais on ne pouvait pas passer à côté. Ce sont les annonces de Facebook en matière de réalité virtuelle et aussi en matière de robots, des logiciels robots, on va tout vous dire. Oui, vous savez que bientôt vous allez commander votre taxi à un robot directement en dialoguant avec lui. C'est un truc de dingue, on va en parler avec Eric Le Bourlou et Raphaël Grably. On reviendra aussi sur les rumeurs actuelles concernant les nouvelles générations de consoles. Bah, c'est vrai, ça revient, c'est cyclique, hein, mais là on parle quand même de nouveautés assez intéressantes du côté de Sony avec une... peut-être une nouvelle PlayStation 4, une... alors du côté de chez Xbox aussi, du côté de chez Microsoft, et même chez Nintendo. Mais ouais, mais faut pas tout dire tout de suite, François. Non. On en garde un petit peu sous le coude. Le gros dossier de la semaine, c'est l'Union Européenne qui part en guerre contre Google, et en l'occurrence contre Android. De quoi s'agit-il? Delphine Sabatier viendra tout nous dire. Et puis on ira du côté du labo avec Raphaël qui nous parlera du Fitbit Blaze. C'est une montre connectée qui l'a au poignet d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle vaut cette montre? On verra ça tout à l'heure. On se demande. Voilà. Et puis tu as une petite surprise aussi, mais bon, on en parlera. Oui, on en parlera au moment de la surprise, à la fin. On ne dit pas tout de suite de quoi il s'agit. Non, pas du tout. Ça ne se mange pas. Surprise. Voilà, soyez les bienvenus, c'est parti pour ce Zéro en Live Hebdo. Le hashtag 01 live, bien sûr, sur Twitter, si vous voulez nous laisser vos messages. On est en direct, je vous le rappelle, donc sur YouTube et sur Dailymotion. Hashtag 01 live, sur Twitter, vous pouvez nous laisser vos petits messages. Et comme chaque semaine, la question 01net orange du jour. On vous interroge à propos de l'actualité. On va parler tout à l'heure de ces fameux robots, ces bots, les chatbots. Êtes-vous prêt à dialoguer avec un robot sur le net? C'est la question du jour. Donnez-nous votre avis. Pourquoi pas, ou bien jamais de la vie. Question 01net orange pour voter www.01nettv.com. Ah, moi j'ai envie de dire, tout dépend ce qu'on lui raconte. Tout dépend de la tête du robot. Ouais, c'est ça. Et puis si tu commences, je sais pas moi, avoir une discussion un peu sympathique avec une jolie jeune fille, quand on dit c'est un robot, ben, d'un coup c'est moins intéressant. En revanche, si c'est pour commander des pâtes, ça me dérange moins, tu vois. Si c'est un robot de François Sorel, moi je vois pas l'intérêt. Mais bon. Là, ça peut être pas mal, comme ça je dormirai jamais et tout, ça pourrait être cool. On a oublié un truc dans le sommaire, François. Qu'est-ce qui se passe? On a oublié de parler, on a oublié de vous dire qu'on allait parler également d'un nouveau smartphone. Ah oui. Qui arrive. C'est le... Oui, c'est le HTC 10. On peut le dire, c'est le HTC 10. Exactement. Téléphone très attendu, qu'on vous a fait découvrir en pratiquement en avant-première il y a quelques semaines de cela sur Zéronet TV. Raphaël l'a pris en main, il nous donnera son avis tout à l'heure. Tout à l'heure vers 18h16 et 27 secondes. 18h60 à peu près. 18h60. Comme ça. Bonsoir Eric Le Bourlou. Bonsoir. Salut Eric. Salut. Patron du news à 01net. Oui, c'est ça. C'est lui. D'ailleurs, il a la stature du patron. Hein, vous avez attention, ça, faut pas l'embêter. C'est ça. Il y a Raphaël également. Oui, le petit employé. Non, mais je suis là quand même. Oui, mais alors. Un avenir devant lui. Attention, à la place d'Eric. Il va tous nous bouffer, Raphaël, dans quelques temps. Bon, on va commencer par cette conf qui s'est déroulée il y a quelques jours de cela. C'est la conf F8, la conf Facebook. Et alors Eric a été bluffé, je le sais, par un truc en particulier à l'occasion de cette conf Facebook. Oui, parce qu'on en parlait beaucoup la semaine dernière. Hein. La semaine dernière, on était tous avec des casques sur la tête. On a fait un spécial sur le HTC Vive. Mais pendant ce temps, pendant qu'on s'amusait avec notre casque HTC Vive, Facebook s'amusait aussi avec son casque à lui qui s'appelle l'Oculus Rift, qui est sorti aussi, mais de façon plus confidentielle pour l'instant, parce qu'il n'y a pas ces petites de manettes qu'on peut voir à l'écran là qui sont l'équivalent des manettes qu'on a pu tester la semaine dernière, des manettes qu'on peut avec lesquelles on peut interagir avec des éléments virtuels. Pour l'instant il n'y en a pas, mais Facebook a montré sur l'Oculus. Pour l'instant elles ne sont pas disponibles. Voilà, l'Oculus est vendu avec une manette Xbox qui est beaucoup moins sympa que les manettes qu'on a pu tester avec le HTC Vive. Ces manettes seront disponibles que plus tard dans l'année, elles ne sont pas encore disponibles. Mais par contre ce qu'on a vu à la conférence F8, c'est ce qu'on va pouvoir faire sur Facebook. Là, ce que vous êtes en train de voir, c'est un petit peu le futur de Facebook, en fait. C'est Alors, faut expliquer, hein, voilà. Parce que... Alors,
Voilà, alors ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, on a deux utilisateurs de Facebook qui sont séparés de plusieurs centaines de kilomètres et qui se retrouvent ensemble dans la réalité virtuelle. Bon, là, on les voit plus, là, ils sont l'un à côté de l'autre, mais c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Mais ils sont séparés, mais en même temps... Ils sont pas dans la même ville, par exemple. Ils sont pas dans la même ville. Pas dans le même pays. Mais ils peuvent quand même, via Facebook, hein, on suppose que ce sera via Facebook, ils l'ont pas dit comme ça durant la conf. Ça paraît oui, logique. Hein. Voilà. Mais ils peuvent être réunis dans un univers virtuel et interagir. Là on voit exactement ce qu'ils peuvent faire. Il y en a un qui est en train de dessiner le costume de l'autre. Alors c'est un avatar. Alors les mains sont représentées par les manettes. Il lui taille un costard en fait. Voilà, il lui taille un costard, exactement. Et voilà, ils font même un selfie ensemble dans un univers virtuel via une perche à selfie virtuelle. Et on voit le petit symbole Facebook derrière, c'est une boîte aux lettres. Donc on peut ensuite poster virtuellement le selfie qu'on vient de prendre à tous ses amis via une boîte aux lettres virtuelle. Ça, Tu comprends plus rien, tu montres ça à ma mère. Enfin, elle comprend pas. Pourtant, elle est très geek. Mais ce sont des usages qu'utilisent, qu'on avait quand Mark Zuckerberg a racheté Oculus VR il y a maintenant 3-4 ans, en disant on va en faire un produit social de ce casque où on a l'impression d'être enfermé, tout le monde lui avait un peu rionné. Et en fait, effectivement, ils sont en train de développer des expériences sociales. Ils ont investi beaucoup d'argent là-dedans. Exactement. D'accord. Ils sont en train de développer des expériences sociales pour les casques de réalité virtuelle et des expériences qui pourront vous réunir avec des amis qui sont pourtant à 5 ou 6 000 km de vous. Génial. C'est assez génial puisque en fait tout le monde d'ailleurs a applaudi quand ils ont vu cette démo, parce que on a l'impression, là ils sont dans Londres, mais ils peuvent changer c'est une photo à 360 degrés de Londres, mais ils peuvent changer d'univers, changer de décor, et se prendre en photo, être virtuellement dans l'endroit qu'ils désirent, etc. Donc c'est vrai que c'est assez bluffant, d'autant que c'est complètement, comme on l'a vu avec le Vive d'ailleurs, c'est extrêmement pointu d'un point de vue des commandes. Donc on peut prendre des objets, les balancer sur son ami, on peut faire ce qu'on veut, et ça c'est très intéressant. De nos futures interactions avec nos amis sur les réseaux sociaux demain. Deux amoureux qui se rencontrent, par exemple. Alors, on peut imaginer des trucs. On peut imaginer des choses, mais il faudrait peut-être d'autres accessoires qu'on ne va pas détailler. Attention. Mais en revanche, il y a un truc étonnant, c'est que Facebook pousse à fond le mobile aussi. On sait qu'aujourd'hui, la plus grosse audience de Facebook est sur mobile. Oui. Ça, sur mobile, c'est pas pour tout de suite, parce que c'est l'Oculus, c'est un truc qui est branché sur un PC, etc. Donc, on est vraiment sur du prototypage, mais avant que ça arrive sur le mobile, il va falloir attendre quelques années. C'est vrai, mais je vous rappelle aussi que Facebook, Oculus et donc Facebook, est partenaire, par exemple, de Samsung sur le Gear VR. Hein. Ça a été fait avec Oculus, et qu'évidemment, ils réfléchissent à des usages mobiles pour tous ces casques. Et évidemment que demain, ce genre de technologies seront aussi disponibles sur mobile, ouais. Moi je vais faire mon vieux geek là, mais ça vous rappelle pas des choses ça? Ça nous rappelle un truc d'abord qui était français, qui s'appelait Deuxième Monde, qui avait été lancé par Canal+. Oui. Hein, et puis un autre dont j'oubliais le nom par contre. Second Life, bien sûr. Exactement. Oui. Merci. À la différence que là vous êtes. Oui, on est dedans. C'est vous qui êtes immergé dans le. Second Life, vous aviez un avatar qui faisait pas grand chose et qui servait pas à grand chose. Là, c'est vous qui interagissez directement avec une personne en face de vous qui est votre ami. Et pour moi, ça change tout. Surtout que là, on a une autre qualité graphique que celle de Second Life, même si les avatars là sont pas très beaux, mais Facebook évidemment va travailler sur ces avatars là pour qu'ils soient plus proches de la réalité, évidemment. Oui, parce qu'on pourrait imaginer qu'on ait par exemple notre photo qui soit complètement mappée, exactement. Ça se fera sur la photo de profil facilement, à mon avis, ça peut se faire. Et tout cela nous amène très naturellement à une autre dimension, pas très lointaine finalement, celle des robots. Oui, qui a été abordée d'ailleurs à la conférence. Et qui a été abordée également. Oui. Alors, et là, le spécialiste des bots. Spécialiste, non, par contre, je les ai un peu testés. Eric a son mot à dire aussi là-dessus, parce qu'il a une suite après. Alors, c'est quoi un bot? Un bot, c'est un robot. Alors, eux, ils mettent ça dans Messenger. Ils veulent développer Messenger. Un robot logiciel. Oui, c'est pas un robot physique, c'est un robot logiciel, c'est un algorithme. Qui va être intégré à Messenger. Donc concrètement, ce que ça veut dire, si on veut commander une pizza, au lieu de télécharger par exemple l'appli, pour pas faire de pub Domino's Pizza, je télécharge l'appli, je dois m'inscrire, je dois mettre mes coordonnées, je dois mettre mon numéro de carte bancaire, je dois mettre beaucoup de choses, ça prend un peu de temps. Et un smartphone qui vous appelle, voilà, c'est justement. Pas grave. C'est ta maman qui t'envoie un petit message. Tu es beau, mon c'est fils. Un robot. Non, c'est, à mon avis, c'est un robot. C'est un robot. Voilà. Enfin, c'est ta pizza est arrivée. C'est Domino's pour confirmer ma commande. Voilà.
Donc là, au lieu de ça, on va simplement aller dans Messenger. On peut supposer que Facebook aura déjà nos coordonnées, donc mon numéro de carte bancaire, mon adresse, etc. Comme aujourd'hui Apple là avec les comme applications aujourd'hui mobiles. Apple là, donc il y a pas, enfin je veux dire, il y a pas forcément plus de réticence qu'ailleurs. Mm-hmm. Je vais voir Domino's Pizza. Je dis simplement, je veux une carte fromage. Et finalement, Domino's Pizza a toutes les infos parce qu'il sait où j'habite, il sait combien je lui dois, mm-hmm. il sait comment me débiter, donc ça y aura pas de souci. Je l'ai testé par exemple, alors tout n'est pas encore lancé évidemment, mais il y a des grandes enseignes qui vont arriver, il y a Burger King par exemple qui va arriver, il y a beaucoup d'enseignes. J'ai testé ça moi avec un marchand de fleurs américain parce que c'est le seul qui était déjà lancé. Alors donc effectivement je suis arrivé, il m'a dit qu'est-ce que vous voulez comme fleurs, évidemment je mets mon adresse, c'est des informations qu'on remplit une fois après qu'on n'aura plus besoin de remplir. Il me propose différents bouquets, je dis ok c'est bon et ça part. Et tout ça sur le mode de la conversation. Tout ça sur Messenger, c'est-à-dire que c'est comme si c'est une conversation Messenger. C'est comme si c'était un de tes potes. C'est comme si c'était un de mes potes, donc ça veut dire que potentiellement ça peut remplacer autant d'applications, c'est-à-dire que les applications on peut ne plus en avoir besoin à ce niveau-là en tout cas. Mm-hmm. Donc pour ce qui est du service c'est vachement prometteur, honnêtement c'était très efficace. Au niveau du reste, c'est-à-dire par exemple les médias, j'ai essayé CNN. Il n'y a pas de médias français encore, ça va arriver. Zéro Net, évidemment, ça va arriver, j'espère bien. On est sur bien. Le coup, hein, Eric. Tout à vous fait. Qui êtes le Eric grand boss. Est... Tout à fait. Il a presque fini l'algo, là. Il termine l'algo. J'ai essayé CNN. Alors là, c'est un petit peu plus, on va dire, on patauge un peu plus. Bon, c'est en anglais déjà, donc je me suis adapté en anglais. Mais en fait, il demande, il donne les top stories, c'est-à-dire la une. Ouais. Ça, n'importe qui peut le faire. Une appli peut le faire facilement. Donc on lui dit qu'est-ce qu'il y a dans l'actu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans l'actu, ça a moins d'intérêt, non. Voilà. Après, il me demande qu'est-ce qui vous intéresse. Et ils disent taper les mots, en gros ils demandent une recherche par mots-clés. Ouais. Bon, ce que Google fait depuis à peu près 20 ans. 2000 ans. Voilà, donc là-dessus c'est pas nouveau. Après par contre effectivement l'enjeu c'est d'apprendre, et de savoir avec le temps ce qu'on apprécie. Bon moi au bout d'un moment ils me proposaient un article de catch. Je suis pas hyper fan de catch, donc on va dire que c'est pas encore complètement au point. L'algo il est pas... Et surtout c'est la limite... Netflix encore. Hein. Ouais exactement. Par contre... En supposant que ça s'améliore, il y a quand même une limite, j'ai trouvé. C'est que par exemple, CNN, il m'envoyait des messages toute la journée. Finalement, je me retrouve... Ah oui, t'étais presque spammé de messages. Et c'est le problème. C'est-à-dire qu'on se dit, ça arrive au niveau des messages de mes amis et c'est un peu plus embêtant. C'est pas un push où on se dit on peut restreindre les pushs. Là, c'est CNN qui arrive et qui m'envoie des messages. Donc au final... Comme si vous étiez très amis, très intimes. Voilà. En fait. Mais un peu collant. Mais le risque, c'est que sa boîte Messenger se transforme en boîte à spam comme une boîte mail. Et ça, c'est vraiment embêtant. On peut pas lui dire shut up. Alors, j'ai essayé. Il y a une option désactivée, ça n'a pas fonctionné, je pense, c'est un problème technique qui va être résolu. Du coup, ça a continué quand même, le lendemain je recevais CNN, pareil avec le Wall Street Journal, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai dû les bloquer. Les bots ils sont ils sont un peu lourds quoi. Ils sont un peu lourds les bots. Voilà, donc voilà, c'est vraiment le tout début, il faut que ça s'affine. Mais c'est vrai que sur l'expérience que j'ai eue en tout cas, j'y crois vachement au niveau des services, ça peut être génial. Ouais, non, mais c'est sûr. Au niveau, commander un Uber, commander un taxi, faire livrer une pizza, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas très bien, c'est facile. Et ça va être une arme atomique de Facebook. Atomique de Facebook, parce qu'il a déjà toutes nos données. Et la contrepartie, c'est qu'il faut jouer le jeu, il faut donner nos données à Facebook. Sinon, à chaque fois, s'il faut renseigner, c'est tout. Ils ont déjà tout, il leur manque le code de carte bancaire, et le code de carte bancaire, Apple là, Google là, Amazon là, donc Facebook peut bien l'avoir, quoi. Bon, mais en tout cas, ces chats, ça fait un moment que ça existe. Moi, je me souviens, depuis sur le web, ça fait des années qu'on a une des chatbots. D'assistante virtuelle. Oui, il y en a beaucoup. Qui que puis-je faire pour Mais là, en fait, ce qui peut être un peu décevant, alors dans le cas de certains chatbots qu'on a pu essayer avec Facebook, c'est qu'ils sont un peu bêtes finalement. Ils ont pas beaucoup d'intelligence. Ils peuvent pas savoir effectivement. Ils envoient à Raphaël des articles de catch alors que ça l'a jamais passionné. Le grand intérêt des bots, c'est qu'un jour, ils deviennent vraiment intelligents et qu'ils puissent aller au-devant de vos besoins, qui puissent savoir avant même que vous ayez envie d'une pizza, que vous avez envie d'une pizza, de pouvoir, voilà. Alors il y a Facebook qui travaille là-dessus, Microsoft a aussi, lors de sa build, beaucoup parlé des bots, et c'est vrai que de toute façon, il va falloir s'attendre à en voir de plus en plus sur nos messageries, ouais, ça c'est sûr. Mais oui, à mon avis, pour les services, par exemple, la pizza, Facebook, par exemple, peut savoir que j'aime le foot, que j'aime le PSG, qui a un match le mardi soir, et donc il peut très bien dire à Domino's Pizza de m'envoyer un message le mardi soir pour me dire, tiens, est-ce que tu veux une pizza? Donc là-dessus, ça va être vraiment intéressant, et à mon avis, commercialement, pour eux. Là, on parle de pizza, de match de foot, donc je peux vous dire que Jérôme, Florian, parce qu'on a un Marseillais là, donc dès que tu cites PSG, il va te couper le micro parce qu'en plus il s'occupe du son, donc fais gaffe. Je préfère pas parler de Marseille pour pas trop le. Oui, pour pas trop le. Faut pas le chauffer, pas trop l'énerver. Le décevoir surtout parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué pour lui, mais bon. Voilà.
Très bien. Vous, qu'en pensez-vous de ces petits robots? Vous avez vu passer sans doute le petit dessin que Leaf nous a envoyé par Twitter. Le résultat de ce, enfin la première tendance du sondage de la semaine, eh bien, c'est pourquoi pas? Pourquoi pas à 61%? Ben oui, c'est normal, on est entre geeks et donc forcément on n'est pas opposé à ce type de relations et ce type d'outils pour le futur. Oui, bien sûr, et puis en plus on n'en est qu'au début, c'est clair que, comme disait Eric, ça va être de plus en plus intelligent. Bon, Raphaël, pour conclure, moi il me tarde quand même de voir ton bouquet de fleurs arriver depuis les US. Je pense qu'il va être assez sympathique quand il va arriver. C'est des fleurs séchées en fait. Pardon. Il va être un peu fatigué, je pense. Mets-toi un masque parce que tu risques de te prendre une claque quand même. Ta fiancée va pas être contente. C'est bon. Quoi ces fleurs? Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux. De rien. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Eric Le Bourlou et Raphaël sur zeronet.com. Bon, mais on va pas les lâcher tout de suite parce qu'on devait faire un petit point sur ces fameuses rumeurs sur consoles. Bien sûr. Hein, il s'est passé plein de choses cette semaine. Enfin, est-ce qu'il s'est vraiment passé des choses ou ce ne sont que des rumeurs? Ah, il y a eu beaucoup de rumeurs cette semaine. Et ça n'a pas commencé cette semaine, mais il y en a eu particulièrement cette semaine, oui. Alors faisons le tour de ces rumeurs. Justement. Alors la plus grosse, c'est peut-être la PlayStation 4. Hein. D'ailleurs, on en a fait une vidéo sur Zeronet TV. Oui. Qui est c'est quand même assez impressionnant. Apple. Sony serait sur le point, dans les mois qui viennent, peut-être sur le point de sortir une nouvelle console. Oui. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Sony et Microsoft. On a toujours eu l'impression que les consoles étaient des choses figées, qu'une fois qu'on sortait une console, ben, elle durait 10 ans et qu'au bout de 10 ans, on changeait de console, on passait à la suivante. Ça n'a plus l'air d'être trop le cas dans cette génération de consoles-là. Les fabricants de consoles, alors il y a Sony, il y a Microsoft et il y a aussi Nintendo, mais ça, on va en parler peut-être, mais c'est assez différent. On choisit cette fois de ne pas... apparemment, hein, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, encore une fois, de ne pas passer à une PlayStation 5 ou à une Xbox One 2 ou une Xbox 2, je ne sais pas comment ils pourraient l'appeler, mais d'upgrader ces consoles. En fait, de les rendre au fur et à mesure de leur vie plus puissantes pour coller en fait à la technologie. Parce qu'une console qui est sortie il y a 10 ans, hein, c'est le cas par exemple de la Xbox 360, Microsoft, on arrête la fabrication, qui vient de s'arrêter, c'est sûr qu'au bout de 10 ans, elle n'a plus de quoi faire tourner les nouveaux jeux qui tournent par exemple sur PC. Et là, effectivement, à l'E3, hein, l'E3 2016, hein, qui va avoir lieu au mois de juin, il se pourrait bien que les consoliers, comme on les appelle, lancent des versions mises à jour de leur dernière console. Alors il y a effectivement... D'où la 4.5, c'est ça, de PlayStation. La PlayStation 4 Neo, c'est son nom. Il y aurait effectivement une PlayStation 4.5 Neo, elle s'appelle Neo, qui serait, alors son principal avantage, on le rappelle aujourd'hui, les consoles de dernière génération ne sont pas compatibles notamment avec la 4K, ce qui les empêche par exemple d'être vraiment top sur les nouvelles télévisions. Et ça commence à poser un problème, alors que les télévisions 4K entrent dans les foyers, elles ne sont pas assez puissantes ni même pour afficher une image 4K, mais encore moins pour faire tourner des jeux en 4K. Donc Sony réfléchirait effectivement à une console plus performante avec un meilleur processeur, avec une meilleure carte, un circuit graphique, davantage de mémoire. Peut-être même un lecteur Blu-ray Ultra HD, puisqu'on sait que maintenant effectivement, un lecteur Blu-ray compatible, pourquoi pas. Mais à la différence d'avant, on pourrait dire que c'est une PlayStation 5. Alors non, ce serait une PlayStation 4.5 parce que tous les jeux qui sortiraient pour cette nouvelle console seraient également compatibles avec les jeux PlayStation 4 standard. C'est-à-dire que vous soyez simple possesseur de PlayStation 4. On ne serait pas obligé de racheter un jeu, en fait. Dans la galette, il y aurait les deux versions. Voilà, il y aurait les deux. La PlayStation 4 et la PlayStation 4.5. Et Microsoft aussi, de son côté, réfléchit à faire la même chose. Les plans sont beaucoup plus obscurs. On ne sait pas. Ils ont dit qu'il y aurait des innovations hardware sur cette génération de consoles. On ne sait pas exactement ce que ça va être, mais il est clair que ça va être quelque chose dans ce genre. Bon, super. Donc, il faut suivre le 3. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est que ce seront les mêmes jeux. Mais ce qui donne des casse-têtes incroyables aux développeurs de jeux. Parce que quand vous devez développer un jeu pour différentes c'est plateformes... C'est d'ailleurs la question que nous pose Léo sur Twitter. Comment les développeurs vont s'y retrouver? Ça va être plus compliqué. Ouais, en fait, selon les rumeurs, ils auraient des directives assez spécifiques. Et en fait, donc, ils devraient développer à chaque fois deux versions. Donc, une version classique, une version Neo. Mm-hmm. Et surtout, ils auraient interdiction de créer des contenus exclusifs
pour la Neo. En fait, ils veulent vraiment pas créer deux vitesses, quoi. D'accord. Ils veulent vraiment que tous les joueurs soient logés à la même enseigne, wow, et que simplement il y en ait qui aient une meilleure image. Ouais. Donc c'est vrai qu'ils veulent garder une harmonie au niveau de la communauté. Ouais. Donc c'est assez important parce que c'est, voilà, c'est vraiment pas une PlayStation 5. Celui qui vient s'acheter une PlayStation 4, il va être content. Bah, ouais, que dans quelques mois, il y en a une nouvelle qui va sortir. Ouais. Oui, c'est sûr. Mais bon, en même temps, encore une fois, comme le dit Raphaël, ce seront techniquement, c'est la même plateforme mise à jour. C'est pas une nouvelle plateforme. Les jeux resteront les mêmes. Okay. Juste un instant pour parler quand même de Nintendo qui devrait sortir cette année la console qui serait la plus bluffante a priori de cette année, puisqu'on appelle la NX pour l'instant. On verra bien ce qu'elle va donner. Est-ce qu'elle va jouer la carte de la réalité virtuelle comme c'est bien la mode en ce moment? On ne sait pas. Ça, on ne sait pas vraiment. On sait que ce serait un mix entre console portable, console de salon. Voilà, c'est très mystérieux, mais on espère en tout cas que Nintendo revienne dans la course avec cette console. Le 3, visiblement. Oui, il y a des chances. D'accord. Ouais, grandes chances. Le 3 à suivre sur Zeronet, évidemment. Évidemment. Bientôt. Merci beaucoup, Eric Le Bourlou. Merci Eric, merci Raphaël. Raphaël, tu vas pas aller bien loin. Hein. Bah non, moi je suis assigné. Oui, c'est vrai. Voilà. En revanche, c'est Delphine Sabatier qui va prendre la place d'Eric Le Bourlou tout de suite pour le Zoom Actu. Touche féminine de ce 01 Live Hebdo. Maintenant, c'est Delphine Sabatier, directrice de la rédaction de 01net.com, qui nous rejoint comme chaque jeudi. Bonsoir. Bonsoir Delphine. Salut Delphine. Pour parler de ce gros dossier, alors ça y est, c'est reparti comme en 40. L'Union européenne grimpe sur ses grands chevaux et s'en prend cette fois à Google. Google, en l'occurrence Android, c'est ce que vous allez nous dire, accusé d'abus de position dominante. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à Google? Eh oui, alors nous, on a connu les affaires Microsoft, maintenant c'est autour de Google, effectivement. Alors là, l'affaire est majeure, hein. Google et Android en particulier, il faut savoir que c'est embarqué dans plus de 60% des smartphones qui sont vendus en France, 70% en Allemagne, plus de 80% en Espagne, donc c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous en Europe. Et là, ce qu'avance Bruxelles, ce ne sont pas des simples soupçons, hein, c'est vraiment l'aboutissement d'une enquête, une longue enquête. Et il y a trois grands griefs qui en ressortent. Donc c'est d'abord, Google impose aux fabricants d'installer son moteur de recherche et son navigateur par défaut sur tous les smartphones Android. Dans le cas contraire, il ne leur donne pas l'accès au Google Play Store, donc à son magasin d'applications. Deuxième point, deuxième grief, c'est que Google découragerait, dans la même veine, hein, découragerait les fabricants à installer un Android modifié, alors que pourtant c'est un système d'exploitation censé être ouvert. Ouais, c'est techniquement faisable. Voilà, et là aussi la carotte, c'est l'accès au Play Store. C'est vrai, troisième. Android grief. Sans Play Store, ça ne sert à rien, hein, on est d'accord. Hein, on peut plus téléchargé l'application. C'est sûr. Troisième grief, donc l'Américain inciterait là aussi les fabricants, mais également les opérateurs de télécom, à n'installer que son moteur de recherche. Et là, Google, en fait, négocierait cette exclusivité avec des incitations financières dites significatives. Donc selon Bruxelles, vraiment, on est en train de restreindre le choix des utilisateurs, de freiner l'innovation. Et c'est pour ça que Bruxelles estime qu'on est vraiment dans le cas d'un abus de position, dominant, d'une infraction aux lois antitrust européennes. Voilà, selon eux, les opérateurs, les constructeurs, vraiment, n'ont pas vraiment le choix. Ils s'interdisent eux-mêmes, finalement, d'installer autre chose que les applications Google. Ouais, donc Google sont quand même le vent du boulet arrivé. Que risque Google, justement? Alors, il risque gros quand même, hein. C'est le Financial Times qui a sorti une estimation, on serait quand même autour des 7 milliards de dollars de pénalités, donc d'amende, ce qui n'est pas rien. Google devra aussi changer ses pratiques, puisque là c'est la commissaire européenne à la concurrence qui a précisé que tout cela devait cesser au plus vite. Alors attention, Google a quand même déjà réagi à chaud sur son blog en démentant évidemment toutes ces supputations, il estime. Et puis il a 12 semaines pour répondre point par point de manière très détaillée. Et c'est là où tout peut se jouer parce que dans une autre affaire, ce Google a déjà un petit dossier sur le dos là avec l'Europe sur son Google Shopping. Google Shopping, c'est ce qui met en avant des promotions sur le moteur de recherche. Et l'ensemble des acteurs européens reprochent à Google de favoriser finalement les achats via son propre moteur de recherche. Alors, il existe d'autres moteurs de recherche. Donc il est déjà accusé pour abus de position dominante sur Google Shopping. Et ce cas dure encore, l'affaire n'est pas du tout classée, est encore ouverte parce que Google a répondu et a eu du répondant puisqu'ils ont trouvé des arguments auxquels la commission a du mal à répondre, c'est-à-dire faire la preuve concrète que l'algorithme privilégie Google, ce n'est pas si simple.
Ouais. Donc là, ça va pinailler. Donc cette affaire peut, négocier, là, voilà. Une batterie d'avocats chez Google qui doit travailler. Il y a des très bons avocats chez Google et on est vraiment sur un rapport de force en ce moment. Ouais. Merci beaucoup Delphine. Merci Delphine Sabatier. Pour ce Zoom Actu et cet éclairage sur ce décryptage, hein, cette information qui est quand même assez compliquée. Merci beaucoup. Ouais, j'espère que c'était clair. C'était très clair. Tant on mieux. A tout compris. C'est le but, c'est que tout le monde comprenne. Bon, Jérôme, on revient tout de suite avec Raphaël Grablier. Oui, absolument. Raphaël est là, il trépigne, il nous a apporté deux produits qui méritent le détour. Allez, tout de suite. Bon, on est très en retard. Oui, on est en retard, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va maintenant découvrir deux produits. Qu'est-ce qu'il y a après comme programme sur les chaînes ? Il y a un film d'horreur. Voilà. Okay. On ne vous dit pas quel est le comédien principal, évidemment, par respect pour lui et sa famille. Raphaël, donc, merci d'être encore là. Maintenant parler de la montre que tu as à ton poignet. C'est la Fitbit Blaze. Ouais. Alors c'est un nouveau produit. Est-ce que tu es à l'aise avec la Blaze? Je suis assez à l'aise, oui, ça va. Celle-là, j'ai essayé de la caler. Elle est pas mal. Alors que la foule en délire. Thank you. Est-ce que tu es à l'aise avec la Blaze? Elle était assez préparée. Voilà. Okay. Tu pourrais m'aider quand même, tu pourrais dire elle est super et tout. Tu me dis elle est assez préparée, Raphaël. Non, mais il est difficile quand même. Il y a un minimum. Parle bien dans le micro par contre, Raphaël. Ouais. Toujours. Alors, non, c'est pour la. Est-ce que. Je sais pas si on la voit bien la caméra. On va la voir tout de suite. Voilà. Parfait. Alors en fait, donc c'est la montre connectée de Fitbit. Elle se présente comme une montre de fitness intelligente. C'est-à-dire, en fait, elle va un peu concurrencer l'Apple Watch quelque part. Parce qu'ils vendent ça avec pas mal de bracelets en cuir, etc. Donc c'est vraiment fait pour être porté au quotidien. La limite, moi, je trouve, c'est que c'est assez encombrant par rapport à l'Apple Watch si on la voit à côté. Okay, on peut mettre l'Apple Watch on va la mettre à côté. Donc c'est quand même beaucoup plus encombrant, il y a un peu d'espace perdu autour de l'écran. Elle est encore allumée ton Apple Watch, Jérôme, excuse-moi, je te coupe, Raphaël. T'as encore de la batterie dessus? Ah ouais. N'importe quoi, continue Raphaël. Et puis bon, les formes sont un peu anguleuses, voilà. C'est en montre connectée, c'est peut-être pas l'idéal. Par contre, en bracelet connecté, moi j'ai trouvé ça vachement bien, parce que déjà elle est assez confortable. Il y a un capteur de rythme cardiaque évidemment, parce qu'elle vaut quand même, je précise, elle vaut 230 euros. D'accord. Donc c'est quand même un produit haut de gamme. C'est joli. Hein, mais c'est... J'entends bien le En fait, c'est pas que c'est pas joli, c'est un peu clivant. Voilà. Ouais. C'est peut-être plus clivant que l'Apple Watch. Mmh. Après, le capteur de rythme cardiaque est très très efficace. Surtout, il a pas cette. Souvent, ça rentre un peu dans la peau, vous savez, c'est pas très agréable. Mmh. Là, il n'y a pas de souci, les données sont assez fiables. Donc moi, j'étais assez convaincu par ce bracelet. Non, il n'y a pas de mais. Voilà, le mais, il était un peu. Si, il y a un autre mais. Il y a un 1er mai, donc au début sur l'allure. En tant que bracelet, je suis convaincu. Et après, sur à nouveau la partie montre, c'est la partie logicielle, il y a un super écran LCD. On reçoit des notifications en appel, en calendrier, etc. Mais on ne sait pas pourquoi Fitbit a volontairement limité les notifs. Et on ne peut pas recevoir, comme sur l'Apple Watch, ses notifs Facebook, ses push d'actu, etc. Ah, ouais. Donc c'est un peu bridé. Moi j'ai pas compris la raison. Apparemment c'est un choix. Non, c'est pas une raison technique, je pense. Ça pourrait le faire, donc c'est un point positif parce que ça veut dire que ça pourrait être corrigé par la suite, c'est logiciel. Voilà, donc j'espère que ça arrivera parce que là c'est dommage, c'est une montre, c'est un super coach. Il n'est pas si smart que ça, quoi. Il manque un peu d'intelligence parce qu'il pourrait nous donner quand même beaucoup plus. Bon, elle a un look un peu. Un peu année, années 80. Pas trop, ça un peu la. Ouais, une montre un peu des années 60 futuriste. Ouais. Tu sais, oui, mais. Non mais il y a un côté un peu rétro. Et beaucoup plus réussi au niveau design. Non mais oui, il y a un côté un peu rétro. Après, par contre, les finitions sont très bonnes. Ouais. On sent que c'est. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous voulez vous en servir pour courir et tout, c'est 230 super. Euros, c'est ça ? 230 euros. 230 euros. Vidéo, test à découvrir en vidéo sur le test, il a été, voilà, il est publié là sur zeronet.com et la vidéo de Raphaël. Ah tiens, puis justement, tiens. On va retrouver Raphaël demain dans De quoi je me mail. On va faire un spécial partout, Raphaël, comparatif des bracelets connectés. Ouais, parce qu'on a sorti donc sur donc on est toujours dans cette même. Si ça vous intéresse, ça sera demain sur un avant, on est au printemps, il faut essayer de se remettre un peu au sport. Ça me paraît logique. Bah oui, t'as bien raison. Regardez Jérôme comme tu le fais. T'as bien raison. Enfin, là encore, une fois. Allez, on enchaîne. Attention, on passe à autre chose. Allez, on enchaîne avec un smartphone, mes amis. Et la deuxième grosse actu, c'est le HTC 10. Tu es parfait. C'est le HTC 10 qui arrive.
donc on a reçu il y a quelques jours. C'est, on va dire, un peu l'outsider. Alors, il n'était pas au Mobile World Congress avec LG, Samsung. Mm-hmm. HTC, l'année dernière, ils avaient été un peu décevants. Il avait eu des gros problèmes d'autonomie. Il chauffait avec le Snapdragon 810. Bon, ça, c'est un problème qui est quand même relativement résolu. Au niveau du design, il est quand même, on sent l'inspiration du HTC One M9, qui est quand même, voilà, c'est assez proche. On retrouve le dos un petit peu arrondi. Il y a un effet biseauté. Sur le côté, alors c'est esthétique, mais c'est aussi pour la prise en main. C'est un peu Tu le ressens quand tu prends en main. Vraiment, je trouve ça tient mieux en main, c'est plus agréable. D'accord. Ça répond un peu au S7, vous savez, avec le côté incurvé derrière. Ouais. Donc voilà, on laisse un peu moins tomber. Finalement, voilà, c'est un peu rassurant pour un smartphone qui vaut quand même 749 €. C'est utile. Ah ouais. Bon, après, côté puissance, bah, c'est le Snapdragon 820, 4 Go de RAM, micro SD, enfin un port micro SD en plus pour le stockage, 32 Go de stockage. Donc c'est vraiment les specs haut de gamme de 2016. C'est hyper réactif, moi je l'ai trouvé. La navigation, c'est assez proche d'Android Stock. C'est-à-dire que la surcouche est vraiment légère. Moi je suis assez... Je trouve ça très bien qu'HTC ait fait une surcouche beaucoup plus légère. Du coup, c'est très réactif, c'est vraiment quasiment instantané. Évidemment, le S7, le G5, c'est très rapide aussi. Là, je trouve qu'il y a un truc assez particulier. D'accord. C'est vraiment plus rapide. C'est quasiment de l'instantané quand on passe d'un menu à l'autre. Ah. C'est quelques millisecondes, mais c'est très agréable à l'usage. Et la grosse promesse d'HTC, c'est la photo, parce qu'ils sont revenus avec leur techno ultra pixel, avec des pixels plus grands pour capturer plus de lumière. Mm-hmm. Alors en basse lume, c'est vrai que c'est bien. On a effectivement plus de lumière, c'est assez comparable. Alors peut-être pas aussi bien que le G4 qui était la référence en basse lume, mais il fait des très belles photos en basse lume et il récupère du détail et vraiment il est assez convaincant. En haute lume et dans des conditions plus générales, il y a un peu moins de détails que sur le S7. Les couleurs sont peut-être plus naturelles, par contre il y a un peu moins de détails et voilà, il y a un peu moins de piqué, donc il est bon, mais il n'est peut-être pas aussi bon que le S7. Et l'endurance, il fait 8 heures en polyvalente. Pour vous donner le Samsung S7, je crois que c'est dans les 11 heures. Ah oui. C'est pas aussi catastrophique que l'année dernière, mais c'est pas la folie. Quoi. Oui. Le problème, c'est que ça devient pas forcément le meilleur smartphone du moment. Non, c'est une bonne alternative. Ouais. En vidéo, il est exceptionnel. Je pense que c'est le meilleur en vidéo. Ouais. Donc s'il y a des gens qui aiment le design en métal, la vidéo, le côté un peu stock, qui aiment bien les Nexus. Le son, évidemment. Oui, le son est très bon. Les gens qui recherchent un Android stock un peu, mais sans passer. Sans aller vers les Nexus par exemple, donc ça peut trouver son public. Très bien, parfait, merci beaucoup Raphaël. Il est bon Raphaël. Ah mais il faut. Et puis t'as vu, il sort des basses lumes, hautes lumes comme ça là. Ouais. J'ai pris un petit cours avec. Luminosité et tout. Il s'est pas étendu sur la mid lume, mais. Ah, non, la mid lume ça sera dans la prochaine fois. Bon, on est presque au bout, mais je voudrais juste en 30 secondes on est au bout du rouleau. Complètement d'accord avec toi. Complètement au bout du rouleau. Au bout du rouleau. Je vais vous présenter un objet super. Vous savez, on a tous ce problème, on tombe vite en panne de batterie. Ben regardez, la batterie ultime pour l'Apple Watch de Jérôme. Alors c'est sympa, hein. Arrête avec l'Apple Watch. C'est très facile d'accrocher. Non, ça c'est une batterie d'appoint qui peut recharger 40 fois ton smartphone ou 15 fois ton ordinateur portable. Et ça peut même redémarrer ta voiture. 120 600 mAh. Combien? 120 600 mAh. 120 600. Waouh. Ouais. Bon, ça pèse 4 kilos, hein. Et ça coûte 500 €. 500 euros. Ouais, je crois qu'il y a une promo en ce moment. Et de toute façon, tu peux pas l'acheter, ça sort qu'aux États-Unis. Ah d'accord. Il y a une promo. Il y a une promo à 300 €. Mais sincèrement, 300 ça sert à quoi? 400, je sais plus. Mais à recharger ton smartphone. Imagine, tu pars, tu pars en colonie de vacances dans la brousse. D'accord. Avec une classe de 30 gamins. Ça va. Tu vas faire des heureux. Ah oui. Je dis n'importe quoi, mais c'est effectivement. Mais comme il n'y a pas de wifi, il n'y a pas gadget. C'est quand si t'as beaucoup dans la brousse. Quand t'as des besoins très spécifiques. D'accord, très spécifiques. Oui, non, bien sûr. On peut apparemment, les chasseurs de bisons aux États-Unis, ils ont besoin de ça. Chasseurs de castors. Je suis chasseur de bisons. J'ai toujours ma batterie sur moi. Voilà. Avec l'écran et tout, c'est pas mal. Hein, ouais, elle est superbe. Franchement, ça vaut le coup. Hein. Bon, la question. On va terminer par un petit coup d'œil sur la question 0net orange du jour. Seriez-vous prêt à discuter avec un robot? Réponse tendance toujours positive. Oui, enfin pourquoi pas, à 64% contre 36% seulement qui ne veulent pas en entendre parler.
Voilà, ce 01 Live Hebdo est terminé. Merci de nous avoir suivis comme chaque jeudi soir en direct. Mais aussi, on pense à vous qui nous regardez en replay, hein, puisque bien sûr cette émission sera disponible dans quelques minutes en replay, à la fois sur YouTube, sur Dailymotion et sur 01 Net TV, bien évidemment. On remercie tous ceux qui nous ont laissé plein de petits messages sur Twitter avec le hashtag 01 Live. On sait que vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux à nous retrouver et on vous en remercie. Merci à Florian Beaufreton, à Pierre Thiolin, à Jérôme Giliberto et à Thomas Romiret. Ah voilà, alors, oui je attends. Sais, je l'ai bien descendu. Là franchement tu t'es pas trompé. Ouais, c'est pas écrit, hein, c'est de mémoire, tout ça. Voilà. C'est la classe. C'est vraiment de la haute lume. Et merci surtout à vous qui nous regardez chaque jeudi soir. 18h, 18h30, rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée.